Alors, écoutez, je m'appelle Arlette Labbé. Donc là, actuellement, j'ai une entreprise de gros hommes. Donc, j'ai que des hommes et Karine qui travaille avec moi. Et mon parcours, moi, je suis comptable hein, de métier. Hein, donc, je suis partie dans la comptabilité très jeune. Hein, donc, mes parents me voyaient au guichet d'une banque. D'accord. C'est bien ce qui est. J'étais la fille du guichet d'une banque. Uh-huh. À l'époque, c'était valorisant apparemment. Donc, je suis partie dans la comptabilité et j'ai épousé un entrepreneur de bâtiment. Et là, on a créé cette entreprise tous les deux. Mmh. Donc moi j'ai été bien sûr son assistante hein, quand même au départ, administrative, hein, comptable. Mmh. Et au fil des années quand même, bon, j'avais envie un petit peu de sortir de ça aussi, hein, mmh. Parce qu'on crée plein de choses, il y a beaucoup de contacts. Hein, mmh. Quand on est dans une entreprise qu'on a créée, il y a beaucoup de contacts. Moi j'avais des contacts masculins, beaucoup. Et à un moment donné, ça me manquait quand même d'avoir un contact, une collègue. Donc là, j'ai essayé de sortir un petit peu de ce parcours-là, de faire rencontrer des femmes comme moi. Et là, j'ai créé un groupe, enfin, au sein de la Fédération française du bâtiment, qui est une organisation professionnelle. Mm-hmm. On a monté un groupe de femmes, un peu, pour se sentir un petit peu soudées également. Et puis là, du coup, on a essayé de promouvoir un peu ces métiers du bâtiment, alors pas que administratif, mais aussi sur le chantier. D'accord. Et donc là, on a rencontré des femmes. Autant qui étaient dans les bureaux que sur le terrain. On a essayé, ouais, voilà, c'était pas simple. Hein, c'était pas simple. On a fait partie des 100 femmes sans métier, on a exposé, enfin voilà, pour montrer. Moi, j'avais, trouvé des femmes qui travaillaient sur le chantier, et pas spécialement qu'en administratif. Hein, on a essayé de trouver. Des femmes qui travaillent. Bon, à l'époque, je vous dirais, il y a 20 ans de ça, on n'en voyait pas beaucoup. Pas beaucoup, hein, c'était vraiment un petit pourcentage. Aujourd'hui, il y en a plus quand même. Hein, on ouvre, mais ça reste un monde masculin. Mmh. Donc, on a travaillé sur ce thème-là pendant quelques années, bon, tout en s'occupant de notre entreprise, quelque part. Donc, c'est par moment, simplement. Mmh. Je tiens l'entreprise depuis 3-4 ans, puisque mon mari est décédé, en fait. Mmh. Donc, j'ai pris le flambeau. Mais bon, j'ai toujours participé à l'entreprise. Hein. Mmh. J'avais un mari qui me laissait facilement aussi prendre des décisions pour embaucher quelqu'un, pour embaucher. Voilà, j'avais cette fonction. Donc, vous gérez votre entreprise et en même temps vous êtes aussi à la fédération, c'est ça? Oui, voilà. Donc ça, c'est des mandats. Hein, on appelle ça des mandats. Voilà, moi j'adhère à cette fédération du bâtiment. D'accord. Hein. Mais du coup, vous avez un poste. On a fait des petites choses comme ça. Je les ai bousculées un petit peu à la fédération du bâtiment. J'ai bien aimé cette affaire. Ouais, j'ai voulu faire d'ailleurs la même chose. Ah oui. Parce que bon, on est un groupe, hein, et y a un groupe de femmes dans chaque département. D'accord. D'accord, donc on se rencontre régulièrement. D'accord, ok. Et notre groupe aura 22 ans, en 2019. D'accord, oui. Donc on est quand même dans le département 22, on va fêter nos 22 ans. Ouais. Et si fait des 20 ans, les 25, nous c'est 22. C'est ça. Ouais. Et donc, c'est plus. C'est des réunions conviviales, certes, mais bon, on travaille beaucoup. Ouais. Hein, c'est des matinées de travail, mais aussi de rencontres. D'accord. Donc, c'est un moment de pouvoir partager nos soucis ou nos choses intéressantes aussi, hein, pas que des soucis. Hein. On arrive à échanger nos façons de travailler et autres, et la façon de rencontrer aussi, de pouvoir, je vous dis. À la suite de cette prise de femme de bâtiment, là, je suis la présidente de la Fédération du bâtiment. Donc, je suis la 7e femme en France, quand même, d'avoir ce genre de poste, et la première en Bretagne. D'accord, ok. C'est ce qu'on se demandait. Ouais, c'est la première en Bretagne, donc ça a été quand même quelque chose d'assez important aussi, même au sein de l'entreprise. C'est une élection, on a 700 adhérents. D'accord. Alors, il y a un conseil. C'est des chefs d'entreprise. Ah, c'est des chefs d'entreprise. Ouais, c'est des entreprises. Ouais, c'est des chefs d'entreprise. Je crois qu'on est. Je vais bien d'entreprise, moi, sur les Côtes d'Armor. 1500 à peu près. D'entreprise. Donc, on est à peu près. Voilà. Donc, je crois que c'est ça. Ouais. Et à la tête de ces dirigeants, du coup, il y a une majorité. D'hommes. D'hommes. Il y a quand même quelques femmes, du coup. Oui. Même dans mon groupe, j'en ai quelques-unes. Proportionnellement, C'est pas beaucoup, quand même.
Ouais. C'est bon, c'est. On sait, en plus, ou dans. Bon, vous voyez, moi, j'étais la femme de l'entrepreneur. Souvent, c'est la fille de l'entrepreneur qui prend la suite. Il y a un lien de parenté. Souvent, ouais, un lien de parenté. Ouais. Ouais, c'est vraiment des femmes qui, d'elles-mêmes, créent l'entreprise. Ouais, aujourd'hui, c'est encore ça. Je n'ai pas d'exemple autrement, mais. Peut-être, hein, il y en a certaines que je ne connais pas et qu'elles sont parties d'elles-mêmes, mais peut-être en peinture. Ouais, d'accord. Je sais que j'avais rencontré quelques-unes qui, à l'époque, avaient ce projet-là. Donc, je ne sais pas si c'est abouti ou pas, mais elles avaient envie de créer leur petite structure au départ de 2 ou 3 personnes. Et c'était plus dans le domaine de la peinture. Parce qu'elles connaissaient déjà le métier, par exemple. D'accord. Mais ça se fait, hein, ça commence à arriver, hein, je pense. Et justement, plus on en parle, plus ça donne à susciter des choses auprès des femmes, bien sûr. Et du coup, qu'est-ce qui vous a donné envie de postuler à ce poste de présidente directrice? Ouais, présidente. Présidente. Bon, écoutez, j'étais déjà dans la maison depuis pas mal de temps. Hein, d'accord. Donc, et la seule femme au conseil d'administration. D'accord. Sur les 24. Okay. Donc, voilà. Après, donc, c'est des gens que je connaissais bien, en fait. Okay. Parce que, je vous dis, ça fait plus de 20 ans. Oui, c'est ça. Voilà, j'avais... C'est sur Plérin, notre fédération est sur Plérin, donc c'est facile d'accès, donc on me voyait beaucoup dans les locaux, les entreprises, je les rencontrais automatiquement, pas toujours sur le chantier, mais là, donc ça s'est fait un peu, allez, vas-y. C'est eux hein, qui m'ont poussé un peu, alors tu y vas, je veux bien, mais bon, voilà, au début je me suis dit, vous êtes sûre, et puis au fait, mais je connais bien aussi le routage un petit peu de tout ça. Donc, c'est intéressant, on rencontre énormément de monde en fait. C'est passionnant, il n'y a pas que le monde politique. Hein. Puis moi, j'ai plus une approche avec mes adhérents en fait. Moi, sur la formation, sur l'emploi, moi c'est plus mon domaine. Donc ça m'intéressait de travailler sur ça. Pas que sur les rencontres politiques ou, qui sont importantes, hein, je ne sais pas. Mais moi, je préfère le terrain aussi en fait, dans ce domaine. D'accord. Donc, et au conseil d'administration, vous êtes tout le temps, il y a... Ah bah j'en ai rentré 2. D'accord. Pas déconné. Mais ça se passe bien. Ils sont ravis. Hein. Bon après, c'était aussi... Alors la première fois quand même que je suis arrivée, c'est comme ça une vieux, hein, parce que ça fait... Au conseil d'administration, non, les femmes du bâtiment, ça fait 22 ans. Conseil d'administration... Je suis pour le mandat, moi, 2, 3, donc 19 ans, 10 ans, à peu près, je suis rentrée au conseil d'administration. Et à l'époque, bien sûr, il y avait un président homme, hein, parce qu'il n'y avait que des hommes. Et donc, moi, j'étais contente, j'étais la seule femme. Hein. Et après chaque conseil, il y a un resto, hein, chez nous, c'est important, un resto. On va partir au resto, donc arrête, je discute, et puis je le vois qui vient vers moi et qui me dit bon. Rentrer dans le conseil, mais sache ici c'est moi qui suis le patron. Et j'avais mis pour rigoler, j'avais marqué attention, les femmes arrivent au pouvoir, les petites étiquettes. Je me suis enlevée. Mais bon, je me suis hyper bien entendue avec lui. Mais voilà, c'était un de dire tu fous pas le bordel quoi. La Fédération nationale mettait les femmes, ils ont fait plein d'affiches, ils mettaient les femmes en valeur pour justement pouvoir. Voilà, on avait aussi, on va dire, des directives, mais ils nous poussaient quand même à rencontrer les femmes de façon. Parce qu'il y a besoin, nous, on a besoin de main-d'œuvre, on a besoin de chefs d'entreprise. Hein, je crois que c'est énorme, les chefs d'entreprise qui vont partir en retraite sous les 5 ans. Là. D'accord. Donc il va bien falloir trouver des gens pour prendre nos entreprises. La mixité dans nos métiers, c'est important. C'est là qu'on progresse. Hein. Moi, j'ai eu des. En maçonnerie, on n'en trouve pas beaucoup de femmes. Ouais. J'ai eu quelques stagiaires, quand même, qui se destinaient beaucoup, peut-être plus en tant que maîtreur après. Hein, maîtreur, chargé d'affaires. Donc, c'est vrai qu'on trouve plus de femmes à ce niveau-là. Mais qui passent par le chantier. Et moi, j'en ai pris en stage. Au début, ça se passait très bien avec des gars. Hein. Ouais, elles étaient du caractère. C'était ce qu'il est, je me rappelle de Claire après. Mais elle était, et c'est super bien passé sur le chantier. Hein. Voilà. Après, il faut être assez souple. Mmh. C'est un métier où il est important de. On travaille ensemble, hein, donc il faut être un petit peu ouverte à plein de choses. Hein,
Et ça s'est super bien passé. Hein. D'accord. Cru, tout. Alors, voilà, elle maniait la grue, elle maniait. Voilà, ça c'est. Ouais. Et les chantiers étaient nettement mieux rangés. Je vous assure, c'était. Ouais, mais c'est tout, comme vous dites, je pense que la mixité dans une équipe, ça peut apporter des choses. Mais aujourd'hui, c'est prouvé, hein. C'est clair. Mais bon. On parle toujours de pénibilité dans nos métiers, et pourtant on a fait, le métier a fait beaucoup d'efforts, hein. Vous savez, tout ce qui est matériel électroportatif ou autre, c'est, les sacs de ciment sont moins lourds, puis il y a tout ce qu'il faut pour porter, vous savez, une aide-soignante, à mon avis, elle porte plus lourd que, oui, c'est ça, lourd que nos gars, des forces. Il y a des préjugés derrière qu'il faut changer. Je ne dis pas que c'est simple, je ne dis pas que c'est... C'est pas comme un bureau avec un crayon, hein, ça je n'ai pas. Mais bon, après il y a la façon, on sort quelque chose, quoi. Et vous sentez justement ces équipes plutôt donc composées d'hommes prêtes aussi à accueillir des femmes? Alors bon, ça dépend. Ouais. Je dirais que ça dépend du chef d'équipe. Je dirais que l'entrepreneur est plus ouvert. Ouais. Et des fois c'est chef d'équipe, hein, sur chantier, alors tu nous ramènes encore une femme, c'est un peu ça. Et une fois que c'est fait, ils sont contents. Que la rencontre en fait existe. Voilà, il faut se rencontrer. Un petit peu ces préjugés. Bon, ils sont quand même assez durs, hein, au travail. Moi j'ai des gars, ils sont très, très sympas, il n'y a pas de soucis, mais ils sont assez durs. Ils ont l'impression qu'ils vont perdre du temps. Alors je crois que dans 5 ans, on va dire un petit peu avant la crise, je crois qu'on est passé de 10 000 à 30 000 femmes. D'accord. Ouais. Donc voilà, c'est bon, beaucoup dans le milieu administratif ou état ou responsable travaux autres, hein. Sur chantier un peu moins. Mais dans des bâtiments, il y a de la place pour les femmes et il y a moyen de le faire parce que c'est un monde verbal, hein. Mes gars, c'est quand ça va pas, je le sais. Voilà, c'est un rapport humain qui est agréable. Hein. Même si c'est des pas pour s'engueuler, hein, mais voilà, c'est quelque chose. Donc on avance. Ouais. On avance. Je vois avec Karine, des fois on rigole. on s'est les malmenés. Didier, que vous avez vu, qu'il est souvent au café. On ne l'aime pas. Non, mais voilà, on peut passer des petits messages quand même. Voilà. Donc après, voilà. Je crois aussi, hein, faut y aller, quoi. C'est tous les jours le combat, entre guillemets, c'est un combat, c'est tous les jours et il faut enlever ses préjugés. On avance, pour moi on avance. Faut pas baisser les bras, c'est tout. Ok. Thank you.